Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans et je viens de parcourir 13 000 km à travers l'Europe à vélo. Ouais, ça fait longtemps que j'ai le goût du voyage qui m'a été donné par mes parents. Après, j'ai voyagé un peu plus seul. Et le défi sportif aussi, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc j'avais envie d'associer ces deux choses-là de façon personnelle. Et puis les événements ont fait que je me suis dit que c'était le bon moment de le faire, mais j'avais besoin d'y donner du sens. J'avais entendu parler de la Fondation à travers le défi de Sébastien. Donc j'ai eu envie de continuer cette belle histoire, de l'écrire un peu à ma façon. Toujours étonné de ne pas être tombé une seule fois en 13 000 km, de ne pas avoir été, j'ai dormi dehors dans des pays étrangers pendant 6 mois et d'avoir jamais je me suis senti en difficulté ou en danger. La Fondation, ça a été vraiment une grande source de motivation. J'étais en contact au moins une fois par semaine avec la Fondation et c'était toujours des bonnes nouvelles de dons qui arrivaient, des messages de soutien et ça m'a vraiment permis d'avoir une motivation intacte tout du long. Prendre conscience qu'on est capable de faire des choses qu'on n'imaginait pas, de gérer la solitude, l'effort physique répété, donc tout ça c'est sûr que c'est des fiertés que j'ai aujourd'hui. Donc, qui m'ont apporté beaucoup plus que ce que j'imaginais à la base. L'objectif que j'avais en tête en partant, je disais toujours que c'était une belle symbolique d'avoir autant de dons que de kilomètres parcourus. C'était ça que j'avais en tête. Et aujourd'hui, si j'avais dû parcourir autant de kilomètres que de dons, je serais pas encore rentré. Aujourd'hui, je reçois un peu les lauriers de tout ce projet-là. Et en fait, c'est sûr que les vrais héros, si je puis dire, c'est plutôt eux. C'est eux qui font avancer les choses. Aujourd'hui, moi, je suis très fier d'y avoir contribué à ma façon, mais c'est plutôt eux qu'il faut remercier.